midi, moi présente avec louange. Merci pour tout ce qu'on fait pour moi. Le matin, moi chante la justice. À midi, moi chante grand amour. Avant de dormir, moi chante miséricorde. Ô éternel, prends pitié pour moi. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Jeudi, c'est vendredi 11 février 2022. C'est un contentement pour nous. C'est une joie pour nous parce que c'est une sonne pour nous capables de rentrer la caille. Nous connaissons que vous déjà motivé là, ou déjà attendu nous pour nous capables de méditer la prière ensemble. Comment semaine n'a-t-il pour vous? Comment activité vous avez? Nous espérons que tout le bagage allait bien. Et nous invitons vous à une demande de prière, allez dans le numéro 1 à Kounia, ou à une forme remplie. Et l'Église Saben a un groupe qui l'a pour ça, pour capable aider vous dans la prière. Pas oublier, la prière, c'est une âme qui est très puissante dans le combat spirituel. Mais bien aimés frères et sœurs, nous invitons vous à l'ouvrir Bibou ensemble avec nous. Dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 10, frère Mio, mais ça m'a demandé non. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, non. Tant pis, mettez-nous d'accord sur toute bagaille. Pas quitter division, mettez pied dans mi-temps, non. Au contraire, c'est pour nous vivre bien, yon a clotte. Mettez yon seul l'idée dans la tête, non. C'est pour nous tous gagner une seule parole. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs. Ça, c'est thème l'année 2022, l'Église Tabernacle de la Grâce, là. Ok, c'est thème que yon gagne pour année, là. Et bien rapidement, nous allons essayer de regarder ensemble. Là, nous, apôtre Paul lui-même, il prend le temps pour être capable d'enseigner le peuple Corinthe, pour être capable d'unir ensemble, pour être capable de mettre d'accord sur toute bagaille, pour être capable d'avancer, pour vivre notre tête ensemble, pour éviter la division rentrée dans le mi-temps. Et à travers le texte, nous sommes capables de regarder dans deux dimensions bien rapidement. La première dimension que nous sommes capables de garder là, c'est que Paul m'a dit, mettez-nous d'accord sur toute bagaille. C'est le premier bagaille que Paul lui-même lui dit yo, à travers verset 10 là, il dit, mettez-vous d'accord sur toute bagaille. Donc, il y a un bagaille qui vivait dans le temps de l'église là, eh bien, Paul m'a dit l'église là pour être capable de mettre-vous d'accord, pour entendre, ok? Sous ça qui vivait dans mi-temps. Donc ça, c'est la première dimension qui gagne dans le verset que nous lisons. Et deuxième dimension, on a regardé, il dit, pas quitter division, mettez pied dans mi-temps. Voilà. Donc, si nous ne mettons pas d'accord sur tout bagaille, si nous ne entendons pas dans ça que nous faisons, Paul dit, yo tout, pas quitter division, mettez pied dans mi-temps. Et pour division, pas mettre pied dans mitan non, c'est là que nous d'accord sur toute bagaille. C'est là que nous entendons non. Parce que division, hein, Paul te gentan connaît ça. Division, hein, c'est un élément qui baille en pile problème. Donc, toutefois que vous divisez, eh bien, vous n'êtes pas capable de joindre la présence de Dieu. Parce que vous divisez. Donc, automatiquement que Paul connaît ça, eh bien, lui a enseigné l'église là pour yo pas quitter division, mettre pied dans mi-temps yo, parce que division capable font pas quête bagay. Division capable faire moun tuer moun. Division automatiquement que vous divisez, eh bien, le ça ou pas capable river grandir tout bon vrai. Et c'est ça que Paul lui-même lui t'a enseigné. Et si Paul n'entend ça, lui t'a enseigné yo pour le demande de promettre d'accord sur toute bagaille, eh bien nous-mêmes, jodi ya, nous avons besoin de mettre nous d'accord, nous avons besoin d'unir nous ensemble, nous avons besoin de vivre ensemble, même gens avec l'église là, tu as vivre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, en l'église primitive là, donc nous voyons comment que tu as vivre, ça y a gagné, y a vendu, donc pas de gain d'argent dans mi-temps, pas de gain monde qui est dans nécessité dans mi-temps. Donc voilà, yo te rete dans la prière, yo te rete dans la communion fraternelle, donc yo t'ap vivre ensemble et yo te rete dans l'enseignement apôtre yo. Donc voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, nous besoin mettez-nous d'accord,
Nous avons besoin d'unir nous ensemble pour nous vivre ensemble. Et dès que nous faisons ça, nous sommes forts. Dès que nous unissons, nous, dès que nous vivons ensemble, nous sommes forts. Et tout si Paul t'a demandé dans la deuxième dimension, hein, pour ne pas quitter la division, mettre les pieds dans le temps, eh bien, nous-mêmes, je dis, l'Église tabernacle de la grâce, et tout bien mes frères et sœurs qui attendent nous à travers un peut-être réseau en social, eh bien, au besoin, mettez-vous d'accord et au besoin, évitez division. Parce que division ne va pas mener nous aucun côté. Division mène nous dans la destruction. Division fait moun tuer moun gens que nous dédile. Division est capable de faire un paquet de catastrophes capable de briser. Donc, division même qui fait ça. Et mais ça que nous besoin faire, il dit au contraire, c'est pour nous vivre bien, nous avons l'autre. Nous aimons l'autre. Vive bien, mettez une seule idée dans la tête. Nous, en tant que chrétiens, nous devons connaître un seul maître. Nous devons connaître que nous, en tout notre travail, nous, tout notre temps, nous avons tout Christ là. Donc, le savoir, nous avancer ensemble. Et pour ces journées, nous disons, en nous unissant, nous avons le même esprit et sentiment. Et à travers le pays d'Haïti, je dis, c'est ça, nous sommes capables à cause des divisions. Mon absurde monde à cause des divisions, voilà kidnapping à cause des divisions. Donc voilà, nous avons toute catastrophe qui a passé à travers le pays. Donc je dis, nous avons besoin de nous ensemble, je dis, nous avons besoin de vivre ensemble, et le ça, nous sommes capables de vivre tout bon vrai pour la gloire de Dieu. Nous prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Papa, nous qui dans le ciel, là, nous bénissons, nous exaltons, nous magnifions, nous disons merci. Merci pour grâce, merci pour parole. Et dans le moment ça, nous approchons devant trône avec la famille victorieuse, cher Seigneur Dieu. Nous demandons dans le moment ça, bah, aux forces, sécher de l'eau qui dans les yeux, et qu'on s'accompagne, cher Seigneur Dieu, dans le moment difficile que vous avez aujourd'hui. Nous adressons où, dans le moment ça, pour Frère Jésus, Fred, cher Seigneur Dieu Maxime. Nous demandons toucher lui, nous demandons tant prie. Guéris-le toute maladie, accompagne-le, cher Seigneur Dieu, fais-le grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour Sœur Sophonie Joseph, hein, cher Seigneur Dieu, ou qu'on côté lié dans le moment ça, ou qu'on ça l'a traversé, ou qu'on douleur, ou qu'on problème, yo, cher Seigneur Dieu. Nous demandons tant prie, dans la compassion, dans l'amour, dans la bonté, ou capable de toucher de façon spéciale. Sœur Nancy, Coriolan, cher Seigneur Dieu. Nous demandons de toucher l'icône même. Nous demandons de poser main sur l'icône même. Nous demandons de guérir l'icône même, cher Seigneur Dieu. Nous comptons sur vous. Nous croyons en vous. Et nous remettons l'église dans chaque bien-aimé frère et soeur qui attend nous dans le moment ça. Accompagnez-vous. Bénis-vous, couvrez-vous, cachez-vous pour nous, cher Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'en prions. Amen. Déjà, bonne soirée, bon week-end. Que bon Dieu capable de bénir nous abondamment. Pour toute sa fête pour moi.
péché nous ou te prend pour nous pour en pire pour ça suivre pour tes bons amis nous pas jamais gagnons l'âge sans mi-temps en nous vivant sans Jésus, éveillez-nous.